Stéphaine Ozière, la fille cadette de Brigitte Macron, ne manque pas de projets. En 2020, la jeune femme, avocate de métier, se lançait dans le monde de l'enseignement. En effet, un poste de présidente du conseil d'administration lui avait été attribué au sein du lycée Autrement, un nouvel établissement d'excellence qui a ouvert ses portes en septembre dernier à Paris. Comme évoqué sur le site internet de l'école, le rôle de Stéphaine Ozière était de contribuer à la réduction des inégalités sociales à l'école et à la lutte contre la fracture territoriale. Un poste à haute responsabilité que, selon Challenge, la mère de Lise et Aurel adore et déjà décidé de quitter. La création de cet établissement privé était pourtant une initiative de la jeune femme qui officiait en tant que bénévole. Je trouve dommage de voir fuir des talents et des potentiels alors qu'il y a tellement de challenges et d'enjeux. D'où l'idée de créer un lycée d'excellence, innovant, accessible à tous, empreint d'humanisme, déclarait Stéphaine auprès de Point de Vue. Stéphaine Ozière, de nouvelles ambitions professionnelles? L'année 2021 semble être synonyme d'évolution pour Stéphaine Ozière. Celle qui a ouvert un cabinet d'affaires près de l'Élysée vient d'achever une formation à Sciences Po pour devenir administratrice de société. Pour le moment, aucune information n'a été transmise au sujet des prochains projets professionnels de la mère de famille, mais il ne fait aucun doute que Stéphaine Ozière saura mettre ses dernières compétences théoriques en pratique.